Alors chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours pour le meilleur du Barça. Vidéo d'avant-match entre Barcelone et Bilbao, 26e journée en Liga. Ce sera ce dimanche au Camp Nou à 20h GMT. Alors actuellement nous sommes dans une très bonne dynamique et on doit confirmer cela face à une équipe de Bilbao 8e au classement. Qu'est-ce qui nous attend face au Basque? Quel 11 pour Xavi Hernandez? Et à la fin de la vidéo comme toujours, mon 11 parfait, l'intro et on revient juste après. Donc voilà les gars, après la victoire très importante en Europa League face à Naples, il faut continuer face à Bilbao ce dimanche. Et c'est un match qui sera très important pour la suite du championnat, parce que le moindre faux pas nous coûtera cher. L'Atlético de Madrid est resté collé à nous, mais également le Betis Séville, l'un des concurrents du FC Barcelone pour la course à l'Europe, est en train de tout casser en championnat. Donc face à Bilbao, la victoire est primordiale, il faut gagner à tout prix. Sachant que le même jour, il y aura le derby de Séville et forcément des points vont tomber. L'Atlético de Madrid qui est juste derrière nous avec 42 points tout comme Barcelone, va jouer à domicile aujourd'hui face au Celta Vigo. Donc s'ils gagnent leur match, ils mettront la pression sur le Barça, d'où l'importance encore une fois de faire le job demain face aux hommes de Marcelino Garcia Toral. Donc pour commencer, parlons de Bilbao. C'est clair qu'ils font pas forcément l'une de leurs meilleures saisons, 8e au classement avec 37 points, 9 défaites et 10 matchs nuls. C'est loin d'être la saison souhaitée pour une équipe comme Bilbao, parce que je le rappelle, elle n'est jamais redescendue en deuxième division. Après sa montée, c'est la seule équipe avec le Barça et le Real Madrid à le faire. Cependant, cette saison, ils sont irréguliers en championnat. Même s'ils ont eu de très bons résultats sur les 5 derniers matchs qu'ils ont joués, avec 3 victoires dont une face au Real Madrid en Coupe du Roi, un nul face à Valence en coupe également et une défaite 3-2 en championnat face à Mallorca. Même s'ils sortent d'une victoire très large face à la Real Sociedad, c'est une équipe qui depuis le début de la saison peine à enchaîner 3 victoires et c'est à l'image de leur saison. Ils ont commencé avec un nul face à Elche, ensuite face au Barça, donc ils ont dû attendre la 3e journée pour justement gagner leur premier match de cette saison 2021-2022 et c'était face au Celta Vigo. Pourtant c'est une équipe qui comporte d'excellents joueurs à tous les postes. Unai Simon, le gardien de but, en est un et il va jouer son 5e match demain en tant que joueur de Bilbao. Alex Berenguer, les deux frères Williams, sans oublier Iker Muniain, etc. Cependant, Nico Williams sera certainement absent pour cause de blessure, donc sauf surprise, il sera pas de la partie, tout comme Mikel Vesga et Ander Kappa qui sont également blessés et douteux pour ce match. Certes, Bilbao n'est pas au meilleur de sa forme, mais ils sont toujours engagés en Coupe du Roi où ils devront affronter Valence en demi-finale. Sauf qu'au match aller, il y avait un but partout à San Mamés, donc ça les condamne à la victoire au match retour. Mais mathématiquement aussi, ils sont pas exclus des places européennes parce qu'ils sont à 2 points de Villarreal qui est en position de jouer la Conference League, à 5 points des Colchoneros qui sont en position de jouer l'Europa League, mais également à 5 points du Barça. Donc c'est une équipe à respecter malgré ses difficultés actuelles, d'autant plus qu'il devance le Celta Vigo actuel 9e du championnat de 5 points, comme pour vous dire que c'est loin d'être le match facile que l'on espère tous. Et quand on connaît justement les rencontres entre Bilbao et Barcelone, on ne peut qu'être prudent, surtout qu'ils ont éliminé en Coupe du Roi et prématurément en plus, alors qu'on venait tout juste de faire un match remarquable face au Real Madrid en Super Coupe d'Espagne. Maintenant pour le FC Barcelone, actuellement je pense que tout le monde est content parce qu'on est en train tout doucement de relever la tête et de se retrouver, parce que ce mois-ci était annoncé comme étant un mois très difficile et très compliqué parce qu'on devait affronter l'Atlético de Madrid. Finalement, on sort vainqueur de ce match. On devait y jouer également le FC Valence au Mestalla en plus et on s'en sort parfaitement. Il y avait aussi les deux matchs d'Europa League aller et retour face à Naples. À l'aller, on fait nul et le jeu dépassé pour ce qui était du match retour, on s'en sort très bien en se qualifiant au 8e. Donc, c'est un mois de février qui est fantastique pour l'équipe au moment où tout le monde s'inquiétait. Mais si cela a été possible, c'est grâce au mercato parce que tous les 4 joueurs ont été impliqués au moins dans 4 buts et tous les 4 ont marqué au moins un but. Aubameyang, c'est 5 matchs et 4 buts. Ferran Torres, c'est 8 matchs, 2 buts et 3 passes. Adama Traoré, c'est 5 matchs, 4 passes décisives et un pénalty créé. Alves, c'est 5 matchs, 1 but et 3 passes. Donc si le Barça peut rivaliser aujourd'hui l'Atlético, le Betis Séville pour la course à l'Europe, c'est parce qu'on a fait un très bon mercato. Et pour les deux précédents matchs en championnat, tout comme les deux matchs face à Naples, Alves était absent parce que suspendu en championnat et non inscrit sur la liste en Europa League, il a manqué 4 matchs. Ce qui veut dire que son dernier match avec le Barça remonte au 6, c'était face à Madrid. Il est maintenant apte et sera présent face à Bilbao et c'est très important. C'est un retour qui tombe à pic parce que Alba n'est pas disponible pour jouer ce match face à Bilbao. Il sera suspendu pour cumul de cartons. Certes, tout cela est beau, mais le joueur qui continue à fermer des bouches, c'est Traoré, parce que tout le monde n'était pas d'avis et beaucoup de personnes ont critiqué le choix de la direction lorsqu'il a rejoint Barcelone. De multiples questions ont été soulevées sur ses compétences à jouer pour un club aussi prestigieux, mais également dans un club qui a d'énormes difficultés. Sa première partie de saison était très mauvaise et lorsqu'il est venu à Barcelone, beaucoup de gens pensaient qu'il était juste là pour jouer au second plan. Et maintenant, je pense que tout le monde est d'accord, parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des joueurs du FC Barcelone les plus décisifs avec 4 passes et un penalty créé, ce qui l'implique dans 5 buts. De plus, c'est un joueur doué dans les dribbles,
parce que son physique et son agilité font de lui une force imparable sur l'aile et à lui seul face à Naples, il a réussi deux passes. La première qu'il donne à Alba est juste magnifique parce qu'il a utilisé sa force pour pouvoir le faire, mais également la deuxième pour Aubameyang. Donc c'est un joueur qui est très important pour Xavi et pour le FC Barcelone et il se pourrait qu'il reste en juin. Vu que Trincao est prêté avec option, Adama Traoré également est prêté à Barcelone avec option. Donc si jamais le Barça veut le signer définitivement, on élimine tout simplement les options des deux côtés et le transfert est fait avec une dépense de zéro. Maintenant le point est presque commun entre Barcelone et Bilbao est que sur les 5 derniers matchs des Basques, ils ont à chaque fois marqué au moins un but et sur les 5 derniers matchs du FC Barcelone, on a au moins encaissé un but et ça veut dire tout simplement qu'on peut espérer des buts des deux côtés, d'autant plus que Bilbao a marqué 10 buts en 5 matchs, soit 2 buts par match et le Barça a marqué 15 buts en 5 matchs, soit 3 par match, mais le problème reste toujours la défense. On a encaissé 8 buts en 5 matchs alors que Bilbao n'a encaissé que 5. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir dans les confrontations entre Barcelone et Bilbao au Camp Nou? Alors là, on peut être optimiste parce que les Basques n'ont plus gagné au Camp Nou depuis la saison 2001-2002, défaite 2 buts à 1, donc c'est une pelouse qui ne les réussit pas. Cependant, ils ont obtenu beaucoup de matchs nuls dans leur match face au Barça au Camp Nou, mais pour demain, il faut gagner, c'est la règle. Donc voilà, comme je vous le disais, le côté gauche de la défense sera orphelin de Jordi Alba, donc très certainement on aura Dest à gauche, Alves à droite, ou peut-être Xavi tentera Alves à gauche et Mingueza ou Dest à droite, vu que Alejandro Balde, il n'a pas joué depuis, et je pense même qu'il est blessé. Donc la seule option qu'on disposait, c'était Alba, il n'a pas de remplaçant, on sera donc obligé de prendre entre Dest, Mingueza ou Alves ou autre chose, jouer avec 3 défenseurs. Maintenant, voyons ensemble le 11 que pourrait mettre Xavi Hernandez pour ce match. Dans les buts, ça change pas, même s'il a fait un match catastrophique face à Naples, manque de concentration totale, Ter Stegen sera de la partie. En défense centrale, là tout est complet, parce qu'on aura Piqué et Araujo qui sont disponibles, donc le problème se trouve sur les deux côtés. Il faut soit mettre Dest à droite, Alves à gauche, ou Dest à gauche, Alves à droite. Il y a aussi Mingueza qui joue souvent à droite, mais ça donne rien. Au milieu de terrain, on peut avoir Frenkie de Jong, Busquets et Pedri Gonzalez. Le trio offensif ne changera pas. Aubameyang, Ferran Torres et très certainement Adama Traoré. Maintenant, je suis dans le doute entre Traoré et Ousmane Dembélé, mais moi, ce qui me concerne, je pense qu'on doit y mettre Adama Traoré parce qu'il est plus décisif que Dembélé, mais quoi qu'il en soit, les deux seront disponibles. Alors, avant de donner mon 11 parfait, je vous donne quelques statistiques des deux équipes. Donc, Barcelone n'a plus perdu en championnat depuis le 4 décembre 2021. On a aussi marqué 4 buts face à l'Atlético de Madrid, face à Valence et face au Napoli, donc 3 sur 5 matchs. On a aussi inscrit 13 buts de plus que Bilbao en championnat. Cependant, l'Athletic Club est sur 3 victoires lors de ses 5 derniers matchs à l'extérieur, toutes compétitions confondues. Sachant qu'ils vont se déplacer au Camp Nou ce dimanche, ça peut les motiver. Voilà, maintenant je termine avec mon 11 parfait. Dans les buts, Ter Stegen, en défense centrale, Piqué, Araujo, Dest, je le mets à droite, Alves à gauche. Au milieu de terrain, on reste avec Busquets, Frenkie de Jong et Pedri. Alors, on a Gavi qui peut jouer là-bas, mais je préfère Pedri parce qu'il est plus mature et plus intelligent. En attaque, Ferran Torres, Adama Traoré et Aubameyang. Dites-moi ce que vous pensez de ce match, donnez vos pronostics dans les commentaires et on en discute. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt et paix dans le monde. Vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche, ça peut se faire en moins de 30 secondes, c'est gratuit et pour élargir la communauté, partagez la vidéo s'il vous plaît. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.